copier Ève l'autre monde. Bravo. Et donc, fait nous honte. Nous avons discours ça depuis en 2004. Vous nous réchauffez ça, va passer. Vous nous réchauffez ça, va passer. Vous nous réchauffez ça, va passer. Vous discours qui préparé depuis en 2004. En 2004. Vous nous réchauffez les. Nous attendons. Il a parlé de restitution. Quand est-ce qu'on dit ce quoi? Eh bien, peuple là-bas, non, ça, c'est pour la consommation de l'opinion. Oui. Je veux dire, nous avons beaucoup de chapeau pour les peuples haïtiens, principalement auditeurs, internautes qui branchent dans le moment ça. Je dis à son moment spécial, nous-mêmes, en dedans opération libérée Haïti. Son moment spécial pour nous-mêmes qui avons dirigé l'opposition plurielle. Pour nous adresser nous à la population dans un moment difficile que nous y sommes aujourd'hui. Premier bagaille, m'a dit à peuple là. M'a dit peuple là, pas prendre dans diversion en matière politique. Il y a le messager et le message. C'est-à-dire, il y a un message là, il y a un monde qui a porté le message. Nous constatons une tentative qu'a fait pour nous intoxiquer l'opinion pour montrer que qu'on sait y aurait les Edgar Leblanc dans défendre la population des Nations Unies. Et pas vrai, et pas vrai, et pas vrai, et pas vrai. M'a dit pour tout le monde qui tentait à fourrer bagaille ça dans tête peuple là, discours ça, son discours qui était préparé depuis en 2004, mon président Koutelin qui fait deal, Edgar Jouni, la ligne de la société. C'est un plagiat. Et je dois condamner monsieur comme n'est qu'à copier Ève l'autre monde. Bravo. Et donc, fait nous honte. Nous avons discours ça depuis en 2004. Vous nous réchauffez ça, va passer. Vous nous réchauffez ça, va passer. Vous nous réchauffez ça, va passer. Vous discours qui préparé depuis en 2004. En 2004. Vous nous réchauffez les. Nous attendons. Il a parlé de restitution. Quand est-ce qu'on dit ce quoi? Réparation. Eh bien, peuple là-bas, non, ça, c'est pour la consommation de l'opinion. Oui. Je veux dire, ça que nous voulons nous tous comprendre. Et nous voulons le peuple là comprendre ça. Yon nèg que c'est international qui mettait. C'est CV au côté bail international, bail CARICOM pour le bon contrat. Ou accepter le contrat à condition que une force multinationale capte le sol. Et vous prenez engagement, ou signez en balle, ou accepter, ou prêtez serment sous lui. Pour aujourd'hui, vous avez parlé de nationalistes. Nationalistes de what? C'est pour la consommation de l'opinion. Nous devons la comprendre. Si Edgar Leblanc devait défendre la souveraineté du pays, il devrait faire un plaidoyer sur la tribune des Nations Unies pour joindre l'argent pour renforcer l'armée d'Haïti. Pour avoir un char de guerre, pour avoir un hélicoptère, pour avoir un moyen, pour avoir une caserne qui est papillée à travers le pays, pour pas seulement sous champ de masse,
Il va faire plaidoyer ça. Nous t'attendons que Edgar Leblanc t'a monté sous panel Nations Unies pour la font plaidoyer pour policier national, qui police nationale qui engagé Noël dans opération souterraine à côté monsieur Kenyal qui a touché pour pipiti 1500 dollars américains chaque mois pendant que yo gagne même yo salaire que yo te gagne la caillou à continuer gagner. Nous pensons que bon plaidoyer que t'a fait pour que police nationale la policier nous yo qui engagé dans l'opération yo t'a prend risque t'a gagne 1500 dollars tout pas rien qui dit pour policier nous yo sont pas dit rien pour l'armée. Ou pas dire rien pour la police, ou pas dire rien pour Bessap. Est-ce qu'on a défendu la souveraineté? Non! Est-ce qu'on a défendu la souveraineté? Non! Qui est-ce qu'on a pété? Nous ne pouvons pas prendre discuter dans l'ambassade. Pour qui ça? Sous tribune des Nations Unies, Edgar Leblanc, pas poser problème, corruption de dans CPTA. Pour qui ça? Sous tribune des Nations Unies, Edgar Leblanc, pas dire population à clair. Qu'elle n'a pas de capacité pour rétablir l'ordre dans le pays. Elle n'a pas de capacité pour rétablir l'autorité de l'État. Elle n'a pas de capacité pour mettre les conditions nécessaires pour que l'élection organisée, pour passation pouvoir faite avec des gens qui sont dans des élections libres, honnêtes et démocratiques. Je dis un abdi. Son équipe qui est joué. Qui passe à côté des missions et qui choisit, yo pense peuple à imbécile pour y fourrer projet paillot dans cette peuple là. N'a dit yo on l'autre fois encore. Peuple ça que yo te considéré comme boukia là l'école, il fait philosophie, il gon licence, il fait maîtrise. Il y a un doctorat et le kakembe tout conseil, toute la patrie de la province. Et pour raison ça, opposition plurielle là, qui est toujours à l'avant-garde des revendications de la population. Depuis M. Sayo Rivé qui toujours campé pour dénoncer des rivières et pour dire à la population en clair que M. Sayo va mener une pièce de côté, nous présents devant la presse là. Pour nous dire, bataille là, fait carré. Bataille là, fait commencer. Lundi 30 septembre 2024. Nous invitons tout le monde qui est victime de Konze ça. Premier groupe monde qui est opposition plurielle l'a invité. C'est militants, c'est organisation de base que M. était trompé sous prétexte à bailler au job. Sous prétexte qu'on va changer les conditions de vie, sous prétexte que la vie va changer, et bien je dis qui dans la rue. On a invité tous les militants à rejoindre nous le 30 dans le carrefour de la 32 pour nous dire, monsieur, nous ne pas prendre un bluff encore. On a invité tous les employés CNE qui ont révoqué de manière illégale tout l'autre monde dans l'autre institution. Que monsieur voye aller de manière illégale pour nous rejoindre nous. N'a aucune chaîne de mobilisation à nous lancer pour nous voyer qu'on sait ça où aller pour que nous baillons pays à une équipe qui a dirigé ça. N'a plan son appel à tout commerçant, commerçante, que monsieur Sayo a rançonné. Bon, nous, oui, c'est pas seulement BNC ou rançonné, non. C'est pas seulement ONA qui a rançonné nous, c'est pas seulement BRH qui casse nous, c'est pas seulement BMPAC qui casse nous. Dans le moment où on a parlé, chaque grain de conteneur pour dédouaner, il exige plus que 3 millions de ça pas gagné. On a dit tout commerçant qui a victime aujourd'hui de l'équipe Konze ça. Qui anime à une seule volonté, qui fait comme Nathanio sous béton, vient défendre. Nous continuons pour nous dire
Maintenant, messieurs, nous tous connaissons, c'est montrer que Haïti sont entité chaotique et gouvernable. Et tout ce qu'a fait, c'est stratégie. C'est plan qu'a fait pour Dominicain venir milieu. Yes, yes. Donc, sous base ça, tout Haïtien qui est qui des nationalistes convaincus doit comprendre qui intérêt, je veux dire, la République Dominicaine pour le pays des soldats. Et il faut qu'on ait tout. Rakete ça y a touché déjà pour Dominique qui vient sous nous. Comme ça, nous prenons les Dominicains. Et gars, quoi, vous prenez les Dominicains.